La 19e session ordinaire du Conseil des ministres de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale à Cyprès a été marquée par l'adoption de 21 résolutions. Elles sont relatives au plan d'action et au budget de l'exercice 2014, également aux tests révisités de la conférence. Pour leur mise en œuvre, le Conseil des ministres de la Cyprès s'est donné un nouveau président, l'Ivoirien Dosso Moussa. Aujourd'hui, nous allons monter un cran au-dessus, essayer de convaincre l'ensemble des caisses, mais surtout les ministres que nous sommes et bien sûr les chefs d'État à s'engager, à s'impliquer au niveau de la Cyprès pour que la question de la couverture maladie universelle dans les différents États devienne une réalité. Le nouveau président du Conseil des ministres en avait fait la requête. L'admission de la Caisse générale de retraite des agents de l'État de Côte d'Ivoire s'agrée à eux dans le portefeuille des organismes gérés par la Cyprès a été acceptée. La 19e session ordinaire du Conseil des ministres de la Cyprès, ouverte officiellement par le Premier ministre Danek Ablan-Duncan, a été refermée par lui avec un optimisme certain. La Cyprès est aussi un puissant facteur d'intégration de nos États en matière de protection sociale. C'est pourquoi nos pays doivent œuvrer à poursuivre et à renforcer leurs actions afin qu'elles servent de catalyseur à un développement à visage plus humain en Afrique. C'est au Gabon que se tiendra la 20e session ordinaire du Conseil des ministres de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale Cyprès.